Les vents nord-est, c'est vraiment pas populaire dans la région de Montréal. Simplement parce qu'il manque de spots dans cette direction de vent-là. Il y a peut-être une alternative qui pourrait faire la job pour toi. Cette option-là, c'est le Hike and Kite. Tout le long du parc d'Oka, du chalet principal jusqu'à la pointe est du parc. C'est d'ici, c'est dans le sable. Alors l'objectif est assez simple, c'est de se rendre aux deux plages qui sont complètement à l'est du parc d'Oka. Et le seul moyen de se rendre à ces plages-là, c'est de se mettre un pack-sac sur le dos, rentrer tout son stock de kite, partir avec son board en main et marcher les 5 km qui séparent du chalet. Sur le chemin, tu vas rencontrer une faune très diversifiée. On a vu des grenouilles, des couleuvres, des oiseaux de proie, des pénis. Beaucoup de pénis. Des oiseaux. Des guenilles. C'est malade. Est-ce que c'est beau? C'est pas mal plus loin que ça notre mer. Parce qu'on zigzague non-stop dans le sable. On fait des petits bouts de ça à la plage. Avec le niveau de l'eau qui baisse assez rapidement, on va bientôt pouvoir se rendre complètement à l'autre bout. Seulement en marchant dans l'eau, finalement avec des petits bottillons d'eau. Évidemment, je ne vous conseille pas d'aller là-bas tout seul, parce que malgré le fait que le site pour pouvoir décoller et atterrir les kites est assez grand, on se retrouve quand même à être à une heure de marche de tout secours. Donc, assurez-vous d'avoir un buddy avec vous qui a un cellulaire pour pouvoir appeler du secours si jamais vous en avez besoin. Oh non! Ah ben, le passage est bloqué, il faut virer de bord. Les deux plages se composent de beaux sables fins, il n'y a pratiquement aucun débris sur la plage. Puis par contre, on perd nos fonds assez rapidement. Donc, il faut s'éloigner du bord assez vite. Je vous dirais que ça prend un bon niveau pour pouvoir rider à ce spot-là. Pour pouvoir sauver de l'espace et du poids, on a décidé d'amener seulement deux petits kites monopôts de Jim Kiteboarding, des Shaman 3 de 6 mètres et 9 mètres. Fait que le prochain nord-est à Montréal, au lieu de faire 2 heures de route pour te trouver un bon spot, Hike and Kite à Oka. Ciao!